Mais à grand, que pouvez-vous nous dire sur votre équipe de reconnaissance? Nous suivions leur progression via le réseau de sécurité lorsque nous avons perdu le contact. Maintenant, tout système est HS. Des nouvelles des salauds? On sait qu'ils ont atteint le bâtiment un peu avant 17h. Impossible d'obtenir une estimation des effectifs de l'ennemi, mais on doit s'attendre à de nombreux éléments. Des otages? Confirmation impossible. Pas de revendication? Non, en effet. Dust 7 en approche finale. Bien reçu, Dust 7. Avez-vous un visuel? Bien reçu. On n'y voit rien. Mec, j'adore ça! Ouais, ben garde ton engin dans ton futal! On a deux hommes à terre! Zone de déploiement contestée! Je répète, zone de déploiement contestée! Elzron, pouvez-vous lui envoyer du renfort? Négatif, aucune unité à terre possible. Impossible d'accéder au réseau d'ATC. Vous devez trouver le serveur central et le réinitialiser. Si je peux pénétrer dans le système, je pourrai avoir une idée de ce qui se passe là-dedans. Ne vous mettez pas sur ma route. Appelé Icarus, il s'agirait d'un projet de bio-ingénierie. Attention, c'est pas trop content de faire. Un truc en rapport avec des problèmes de santé liés à la microgravité, perte de la masse musculaire et de la densité osseuse, des conneries dans le genre.
les barrages routiers dans le centre-ville suite à cet accident. Personne n'est autorisé à rentrer dans la zone, à l'exception du personnel accrédité. Nous sommes incapables de vous informer davantage sur la crise en cours, bien qu'un représentant du gouvernement ait évoqué une opération de nature terroriste. Rejoignons notre envoyé spécial Diego Rodriguez sur place. Merci, Phil. Bon, les données sont parties. Apparemment, le programme Icarus a été supplanté par le projet Perseus, financé par l'armée. J'imagine que c'est de là que viennent Fettel et ses soldats. Ne tirez pas. Je m'appelle Norbert Met. Je suis ingénieur. Merde, un civil. Passe-le-moi. Hello? Qui êtes-vous? Mais gentil, vous allez bien? Bien sûr, je m'éclate comme un fou. Vous avez dit que vous étiez ingénieur. Aidez-moi à rentrer dans le réseau. Vous me prenez pour un sous-fifre? Écoutez-moi, désactivez d'abord le système de sécurité et je verrai ce que je peux faire pour le serveur. Pour le désactiver, il me faut une connexion avec le système. C'est impossible, le réseau est autonome et étanche. C'est par là. Pourquoi voulez-vous qu'on désactive le système de sécurité de toute façon? Ça ne vous regarde pas. Si vous voulez que je vous aide, faites ce que je vous dis. Ici, je vous annonce votre position. Et reçu par vous tous. Entendu. Monsieur Metz, vous me recevez? Monsieur Metz! Où est-il passé cet imbécile? Merde, va falloir la jouer à la dure. Ok, trouvez ce serveur et rebootez-le. Approchez de la dernière position connue de l'équipe Delta. Sécurisez le site et attendez Jin. Vous l'avez pas vu, hein? Elle est l'originale. J'ai localisé le
transmetteur de Fettel quelque part devant vous. Faites attention. J'ai été fait à partir d'elle, et je suis né d'elle. Nous sommes séparés, mais nous ne sommes qu'un. Elle est prisonnière. Elle flotte dans l'obscurité, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Je la trouverai bientôt, et je la libérerai. Merde, je l'ai perdu. Bon sang. Quelqu'un a piqué une vraie crise dans cette pièce. Super. Vous avez encore autre chose d'utile à rajouter ? Je ne vois aucun impact de balle. Il n'y a pas de douille non plus. Ces mecs n'ont pas tiré une seule cartouche. Alors qu'est-ce qui les a tués ? Aucune idée. J'ai bien trouvé la réponse. Ok, continuez à avancer. Fettel ne doit pas être loin. Je ne sais même pas par où commencer. Surveillez vos arrières. Vous pouvez désamorcer ces bombes ? Ok, encore un civil. Mère Grand, nous avons trouvé un otage. Il a l'air ligoté à des explosifs. Bien reçu. Je vous envoie quelqu'un. Passez-le-moi. Hé hey, vous appartenez aux forces spéciales, c'est ça ? C'est ça. Restez tranquille, monsieur... Bishop. Aldous Bishop. L'équipe de déminage est en route. Ok, il y a des ascenseurs près de votre position. Sécurisez la zone et escortez l'équipe jusqu'à Bishop. Quelqu'un s'amuse avec le système de sécurité. Ils essaient peut-être de vous acculer. De se revoir. Y a-t-il un moyen d'ouvrir ces portes ? Malheureusement, non. Bon, eh ben, je crois qu'on va devoir improviser. T'es tout seul ? Incroyable que t'aies survécu aussi longtemps.
N'approchez pas. Et voilà. On est tiré d'affaire. Affirmatif. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Je veux juste que vous me débarrassiez de cette merde. Celui qui a fait ça est un véritable pro. Est-ce que c'est censé me rassurer? Bon, c'est un pro, mais je suis un maître. Une alarme anti-incendie? Elle a été déclenchée dans un bureau de sécurité à cet étage. Il faut que vous arriviez à la désactiver pour remettre les ascenseurs en service. Monsieur Bishop, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été pris en otage? Posez des questions sur Harlan Wade. Avec sa fille Alice, nous faisons partie de la même équipe. Quel genre d'équipe? Nous menons une étude sur les 25 dernières années du district d'Oberm. Mais on nous a pas dit à quoi servait ce travail. Où est sa fille maintenant? Son bureau se trouve dans le bâtiment de la direction, au 6e étage. Génial, les ascenseurs fonctionnent. Mais maintenant, les portes de sécurité sont verrouillées. Vous devez trouver un autre moyen d'atteindre le toit. Holiday, est-ce que vous pouvez escorter Monsieur Bishop? Oui, on va bien s'en occuper. Better, j'en ai fini par ici. Alors, une idée? Il va falloir que je passe au labo. Ok, retournez sur le toit et ne bougez pas. Je vous envoie un taxi pour vous sortir de là. Mais ça va prendre un moment. Compris.
moi. Bien. Vous tenez le coup, monsieur Bishop? J'attends qu'une chose me barre d'ici. J'en suis sûr.